Bienvenue, c'est Soraya. On est au Salon des médias pour la 19e édition de la Semaine de mode de Montréal. Pour les 4 prochains jours, District Montréal va vous montrer les dessous de la mode. On va rencontrer des mannequins, des designers et vous montrer qu'est-ce qui se passe en coulisses. Je vous invite à nous suivre. En fait, ce qu'on veut, c'est quand on débarque à Montréal pendant la Semaine de mode, qu'on sente partout. Que ce soit l'événement parapluie qui rentre dans la tête de chacun et puis qui met de l'avant une des forces premières de Montréal qui est la créativité. On va avoir du pavoisement partout dans le centre-ville, donc une promotion inestimable pour faire en sorte que la semaine de mode se situe partout, partout, partout en ville. Alors, elle est à vous. Embrassez-la. Bonne semaine de mode. Présentement, le runway est vide, mais c'est ici que tous les grands designers vont présenter leur collection pour les 4 prochains jours. Alors, on est avec Chantal Durivage au Salon Média. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un peu où se place la Semaine de la mode de Montréal internationalement? On est une espèce de marché alternatif très observé, qui a une distinction particulière, donc par sa niche qu'on dit « leading design ». C'est une porte d'entrée sur l'Amérique du Nord, puisque à Montréal, en fait, l'industrie est très établie. On est les troisièmes en Amérique du Nord en termes de production. Qu'est-ce qu'on s'attend de nouveau pour la 19e édition? On a ouvert le showroom une troisième journée. Dans le showroom, il y a 60 collections canadiennes et européennes qui sont présentées et les gens vont pouvoir venir acheter sur place. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Et un événement de clôture grand public. Ça, c'est vraiment chouette. C'est Iso, un styliste bien connu et bien coté à Montréal, qui va faire une espèce de boucle de tendance de la saison. Donc il va prendre des morceaux de tous les créateurs qui ont présenté. Il va faire sa propre lecture. C'est une espèce d'éditorial, comme on retrouve dans les magazines, mais live et le grand public donc peut se procurer des billets sur les réseaux admission pour se défiler.